Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire Resident Evil 4. On va jouer en professionnel cette fois-ci, donc au chapitre 1-2. Donc c'est parti, on charge les données. Et puis bon, on va faire comme la dernière fois. On va passer, enfin on va avancer. Et dès que je meurs, et ben je couperai les scènes. Et puis voilà. Donc bon bah ça on s'en fout, hein, clairement. My steak. Hop, on esquive. J'ai failli pas esquiver, hein. Truc de ouf. Donc du coup, on va faire ce qu'il faut. Pour arriver à bien y arriver. Donc, hop là. Voilà. Alors. Du coup. voilà. Alors, juste. Quand je regarde mes vidéos. Enfin, quand je les monte et tout ça. Quand je fais le montage. Je me rends compte que. Enfin, il y a des fois. Je pourrais esquiver certains zombies. Grâce au son. Mais seulement, j'ai pas le son de la télé. Enfin, j'ai pas le son de, ouais, du jeu, quoi. Donc j'en suis sûr que des fois il y a peut-être des gens qui se disent hey, mais t'es con quoi, on l'entend derrière, putain, dégage, dégage. Mais je peux pas, j'entends pas le mec. Donc ouais, bon, je dis ça comme ça, après on sait jamais, hein, pour vous sachiez. Alors du coup, bon, on recharge quand même, hein, c'est quand même important. Enfin non, j'aurais peut-être pas dû. Bon, de toute façon, je vais pas l'améliorer maintenant. Allez, hop, du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va casser ça déjà. Voilà, une petite plante. Et après on va chercher la plante jaune quand même. Parce qu'on a en allant chercher la plante jaune, ça va nous aider. Alors toi je m'en fous. Alors qu'est-ce que t'as à me proposer, Mantei? Oui. Oui, ça je savais. Oui, donc pour l'instant, comme je t'ai dit, je vais pas l'améliorer. Malt M, ça direct. Cherche pas à comprendre. Carte de village, pourquoi pas, ça peut servir. Et puis après, il n'y a rien d'autre à acheter. À la limite la TMP pour plus tard. Ça peut être pas mal. Moi il me faut la TMP. TMP, le pistolet et le sniper. C'est tout ce qu'il me faut. Il me faut ces trois armes-là. Fusil à pompe, je vais le garder pour le troll. Ça sera plus facile parce que sinon on va vraiment pas y arriver. Pff, oh, ça va être impossible. Ok, du coup. Fusil. Ouais, grenade, son steak. Oui. Ah, voilà. Spinel, ça c'est très intéressant. Ouais, donc ça on garde, ça on garde. D'ailleurs, on va y combiner. Start. Hop. Alors. Combiner. Toc. Et bah voilà. Donc, du coup, maintenant, on va on va aller chercher la plante jaune. Ah non, plante rouge. Ouais, je me suis trompé. Ouais. Dommage, dommage. Bon, c'est pas grave. J'avais un petit doute et malheureusement, c'était le carbon. Du coup, on va aller là. Ça va être un peu chiant ici, mais ça va être plus simple que tout à l'heure, enfin que la dernière fois. Il y a peut-être moyen que je ne meure pas du tout. Franchement, il y a moyen, je vous le dis direct. Il y a peut-être moyen. Donc, hop, on ouvre. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il y a? Salut, comment ça va? Oh, le mec, il va m'en beau brocher, tu sais. Allez, casse-toi, mon pays. Merde, hop, je te cut, là. Oh, calme-toi. Et bim, là t'as le démon. Là si, bah si, regarde. Ouf. T'as le démon. Merde, attends, on va peut-être pas non plus trop faire le fou. Ok, vas-y, vas-y, pète-le. Oui. Ça c'est bien, Mantei. Non, calme. Ouais, calme-toi. On n'est pas ici pour. Putain, j'ai cru qu'il allait me toucher le mec. Hein. Il en aurait été capable. Putain, pff. Bon. Ah oui, nickel. Vas-y, vas-y, tire. Putain, mais pourquoi il s'est pas tiré, le mec? Oh là là là. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Ok, par derrière, magnifique. Vas-y, explose. Allez, explose, explose. Boum! Là, on est bon, là. Là, on est bon, on n'a pas beaucoup perdu de vie. Franchement, magnifique. Faudra juste que j'aille chercher la plante jaune, quand même. Ça pourrait être pas mal. Vas-y, balance ta grenade, là. Putain, tu peux la lancer, ta dynamite, là. Ouh, attention, il est vénère, lui, hein. Lui il est vraiment vénère. Attends, on se calme, le pays. Quoi? Mais genre il m'avait pas touché, donc c'est bon quoi. Oh. Non mais allez, à un millième de seconde près, c'est bon quoi. Oh. Bon, je vais utiliser une plante jaune, c'est pas grave. Putain, j'ai eu le mauvais. Connard, casse-toi. Tu sais vraiment pas lancer tes bombes toi. Hein. Il est vraiment handicapé ça. Allez, casse-toi dans le vide. Hop là, toi t'es vraiment con. Hop là. Bim! Ça, c'est magnifique. Alors, une petite grenade.
Ça peut toujours faire plaisir. Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Hop, allez, coup de cut, t'es mort. Putain, oh, franchement, là, là, il y a bon. Ah, je vous le dis. Putain, mais allez, mais j'ai reculé. Espèce d'enfoiré. Putain, mais il y a combien de mecs à bombe, là? C'est un truc de ouf. Allez, je suis obligé de reprendre une putain de vie, là. C'est chiant. Allez, allez, vite. Putain, il est lent, il est lent. J'ai failli pas y arriver. Ok, nickel. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Allez, casse-toi. Ok, on se casse vite. Voilà. J'adore les mecs avec les dynamites, ils sont tellement cons. Oh putain, j'aime pas les mecs avec les fourches là. Parce que les mecs de devant font tank et puis les mecs avec les fourches après ils te niquent derrière, tu sais. C'est super chiant. Ah, fais chier, tu me saoules toi mon gars. Putain, les trois qu'il faut pas, tu sais. Pile, non mais à croire que c'est fait exprès, tu sais. T'as bien le mec devant qui peut te choper, les deux mecs derrière qui peut te taper de loin. C'est vraiment le combo putain de connard quoi. Ok, bah attends, on va y aller. Pistolet. Oui, j'ai eu chaud. Allez, j'ai pas envie de mourir. Cassez-vous. Merci beaucoup. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Je pense que je vais vite courir au fond pour aller prendre la plante jaune. Ouais, j'allais prendre la plante jaune au fond parce que sinon ça va pas le faire. Donc on va vite courir, je vais pas essayer de calculer les gens. Ok, je pense que je peux passer par le pont. Il y a moyen. Lui va essayer de me tirer dessus. Il va pas y arriver, j'espère. Ok, c'est bon. C'est pas non plus un tireur d'élite, heureusement. Ok, vas-y, rentre, rentre. On va peut-être prendre une plante rouge en même temps parce que pff, ça commence à faire chaud. Ok. Du coup, hop, on va prendre la plante rouge, c'est pas très grave. Et voilà, nickel. Ok, donc là, jusque là, on est bon. Jusque là, on est très très bon. Allez, putain, comme ça. Mais non, voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des sous-sous, bah c'est génial, dis donc. Ok, toi, fais pas chier. Allez, tape un coup, merci. Casse-toi. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Petite triplette au passage. Non, c'est bon, je vais aller. Calme-toi. Est-ce que je peux monter par là? Oui, je peux monter par là. Oh, c'est magnifique. Comme ça, au moins, l'autre, il va y retirer dessus. Allez, allez, vas-y. Vas-y. Il est vraiment décapé. Normalement, il est censé leur tirer dessus. Quoi? Mais le mec, il a rien du tout, tu sais. Au cas, il aime le mec, il a pas de soucis. Putain, casse-toi. Allez, casse-toi, toi. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi lui, il fait rien. Normalement, t'es censé allumer tes trucs. Wow là là, heureusement que ça a pas mis de coup de couteau et que c'est descendu parce que sinon. Voilà, c'est bon. Putain, mais le mec, faut venir le voir, tu sais, pour qu'il active son truc. C'est assez hallucinant. Vas-y, balance ta grenade, là, ta dynamite. Voilà, nickel. Il est tellement con, le mec. C'est ça qui est bon. Allez, allez, envoie, envoie. Envoie! Va te faire foutre, mais franchement, il est con ce mec. Regarde ta dynamite que j'en fais moi. Oh, genre. Mais putain. Non, mais t'es sérieux là? Mais il tremble tellement, tu les ronds là. Ok, lui il a rien compris. Ok, alors hop. Donc, du coup. Allez, regarde. Essaye de monter maintenant. Oh putain, ils sont pleins. Ils sont pleins, pleins, pleins. Par contre, il y a un risque. Qui me tire dessus. Les enfoirés. Merde. On va essayer de s'approcher un peu plus. Ok, allez, monte, monte, monte. Putain, j'aurais pas le temps. C'est une foirée de merde. Putain, ça m'énerve ça. C'est vraiment de la triche. Putain de putain. Allez, X. Non, non. Mais j'y crois pas. Mais ce X de merde là, il fonctionne jamais, putain. Resident Evil 4, c'est de la merde. C'est un truc de ouf, mon gars. Mais j'y crois pas, putain. Je suis là, mon gars. Je lui fous un X. Dans la gueule, t'es censé lui patater la gueule. Et toi, non, non, rien à foutre. J'ai envie de crever, dis donc. Je suis handicapé. J'ai envie d'être suicidaire aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Putain, nique ta mère surtout, ouais, putain. Espèce de groupe sanguin de mes deux, là. Putain, et ce mec, ça doit être un pur groupe sanguin. C'est obligé, regarde comme il est handicapé, le mec. Il sait même pas foutre un coup de pied, tu sais. Non, mais je sais pas, quoi. Putain, il y a un moment, faut arrêter les conneries. Eh oui, voilà, bah oui.
Ben oui, putain, mais... Et mon gars, mais... Nique ta mère, Léon, nique ta mère, t'es un handicapé, j'ai jamais vu ça. Putain, mais comment tu fais pour être le personnage principal, mon gars? Tu sais pas jouer. Mais c'est un truc de ouf. Mais putain, j'y crois pas, mais comment tu... Mais what? Mais d'où? D'où? Hein? Ok, non mais ok. Ok, mais oui, mais tout à fait, mais oui. Mais je vais lui péter la gueule à Léon, mais c'est un... Mais il sait pas jouer, c'est un truc de ouf. Comment tu peux perdre ici, putain, merde? Et putain, des zombies qui spawnent de... On sait même pas où, comme ça, ils apparaissent. Pouf. Waouh. Putain, nique ta mère, Léon. C'est un truc de ouf. T'es handicapé, mon gars. C'est un truc de ouf. Je vais le taper. Mais je vais le taper, ce fils de pute. Tu peux pas faire comme tout le monde, taper au corps à corps? Putain, t'es vraiment un gros fils de pute, toi. Hein. T'es genre de personne. Je vous foutrais une grosse claque dans la gueule, là. Putain. C'est genre la petite tapette, là. Hein? Hein? Oh, je te balance une hache dans la gueule. Oh oui, je suis handicapé. Putain, nique ta mère. Ouais, donc du coup les gars, j'ai une idée. Donc là vous avez vu, normalement j'ai mis une accélération. J'ai plutôt bien joué. Donc du coup j'ai une petite idée. Boum, on sauvegarde. C'est pas une bonne idée ça? Parce qu'il y en a marre à chaque fois de tout recommencer, hein. Ah, vous pensez bien. Voilà, donc du coup, hop, on sauvegarde. Là on regarde un peu. Mais non, mais on passe, on s'en fout. Voilà, on regarde ça. Donc vous voyez, hein, je vais pas vraiment utiliser le pistolet. J'ai utilisé une grenade incendiaire. Bon voilà, il faut bien que ça serve. Hein. Et puis voilà, donc j'ai pas utilisé beaucoup de vie. Donc du coup ça passe bien. Voilà, donc du coup bon, on va faire tout ça et puis voilà. L'autre il va me tirer dessus comme un fils de pute. Allez, bim. Super, putain. Heureusement qu'il m'a loupé, mais heureusement. Oh. Mais oui. Putain, mais j'y crois pas, mais... C'est vraiment un truc de fils de pute ce jeu. Mais comment le mec il me... De quoi le mec il me tape là, putain. Tu montes à l'échelle comme tout le monde et tu casses pas les couilles. Mais oui, le mec, il me... Oh, mais ce jeu commence vraiment à me casser les couilles, quoi. Le mec, putain, tu lui tires je sais pas combien de balles dans la gueule et tout, il meurt pas. Le mec te balance des trucs à travers le bois et tout. Le mec arrive à te planter à travers une porte. Waouh. Le mec, il est là, de nulle part. Boum, vas-y, et il te nique. Putain, niquez vos mères. C'est quoi, vous m'avez cassé les couilles? Mais même plus je vous tue, mon gars, je trace ma route. Putain, non, je les tue plus, je m'en bats les couilles. Mais non, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, je les tue plus, ça m'a cassé les couilles. Oh, franchement, mais ils sont infinis, les mecs, c'est limite, tu peux rien faire, putain. Ça me casse les couilles, y a aucune logique dans ce putain de jeu. C'est un truc de ouf. Mais oui, mais arrêtez, putain. Bah, arrêtez de balancer des choses. Arrêtez. Mais j'y crois pas, putain, mais c'est un truc de ouf. Pourquoi il balance ces putains de haches? Pourquoi? Putain, il n'y a aucune logique. Putain. Allez, vas-y. On continue. C'est bon, on m'a saoulé. Alors, on a eu ce qu'on voulait, de toute façon. C'est vraiment genre de moments qu'il faut skipper. Il y en a pas beaucoup, mais il faut les skipper parce que c'est vraiment de la merde. Ça sert à rien de forcer. C'est des moments... tu peux rien faire. C'est pas possible au couteau.
Voilà. Avant d'y arriver, il faut avoir de l'expérience, tout ça. Et personnellement, j'ai pas le temps. Donc voilà. Mais bon, il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Hein, je suis pas non plus un robot. Allez, vas-y, hâte de faire chier. Allez, casse-toi. Voilà. Ah oui, bah oui. Bah oui. Mais pourquoi pas? Le mec, normal. Hop, hop, balance ma petite hache en mode fils de pute. Ouais, j'adore faire chier les gens. Wouh. Je balance ma hache, hache. Ouais, dans ta gueule, connard. Non mais oh, tu te crois où là? On n'est pas en discothèque, connard. Hallucinant. Oh là là. Je sais pas, ils sont... Comment ils sont... Enfin, je sais pas. Voilà, bien sûr, je peux rien faire parce qu'il y a des putains de trucs devant moi. Oh putain, ça m'énerve ce jeu, mais quand on me souvient. Génial ce jeu, vraiment trop bien fait, hein. Je crois que je lui donne au moins. Mais ta mère, mon gars! Tu serais devant moi, putain, mais tous ces créateurs, franchement, ils savent pas faire des jeux, mais. Mais on fait de notre mieux! De votre mieux de quoi, ouais? Vous faites de votre mieux pour dépenser le moins possible, ouais, surtout! T'as un jeu limite, vous pouvez le faire en une journée, vous le faites! Putain! Regardez. Pouf! Il est pas mort. Allez vous faire enculer, Capcom, hein? Non mais les jeux de merde, je veux bien que vous en fassiez, mais là, c'est vraiment une... Attention, hein, là, vous avez la chiasse quand vous l'avez fait, le putain de jeu de merde, là, mais... Putain, mais c'est pas possible, le mec est pas mort, le mec, il se reçoit un fusil à pompe dans la gueule, il n'y a pas de souci, voilà. Non mais, je sais pas, il y a un moment... Ah oui, coup de pistolet, il n'y a pas de souci aussi, il a rien du tout. Ah oui, le mec est toujours pas mort. Ah, ah, le mec est toujours pas mort. Ben oui, mais oui, mais putain, mais... Capcom, mais allez vous faire enculer, mais un point, mon gars. Mais limite, vous saignez du cul, tellement vous me cassez les couilles, putain. Commence vraiment à me saouler, mon gars, avec leur jeu, mais putain, mais... C'est limite, le mec, tu lui mets une grosse bombe nucléaire dans la gueule, il résiste, là, putain de ta mère. Allez, viens, là, toi. Allez, viens. Mais putain, tu vas venir, ta mère, là. Putain, c'est pas possible comme il est con, ce mec. Mais oui, mais oui, mais... Mais oui, bah oui, mais comment tu fais pour tirer jusque là? Putain, mais ta dynamite, comment tu fais pour lancer ta dynamite jusque là? Putain! Cette fois, putain. Et d'où t'esquives là? Vas-y, va te faire foutre. Allez, 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 voilà. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? Mais putain! One shot, ok. Non mais nickel, one shot, y'a pas de soucis. Hein? Toi, je vais te niquer en premier parce que tu commences vraiment à me saouler. Quoi? Putain, mais qu'est-ce que tu vas aussi vite là? Casse-toi! Putain, je t'ai pas envoyé une invitation à ce que je sache! Laisse-moi tranquille! Vas-y, c'est bon, je vais pas prendre de risque. Je commence vraiment à me saouler. Casse-toi! Non, mais avec eux, on sait jamais. Hein. Le coup de vas-y, je te sprint d'un coup, t'as pas le temps de cutter. Je connais. Hein. Putain. Non, mais c'est quoi ces zombies ça? Mais. Vas-y, on va prendre de la vie, voilà, super, génial. Ça fait beaucoup de vie en moins, c'est génial. J'adore utiliser de la vie comme ça, qui sert strictement à rien. Putain, mais j'ai jamais autant perdu de vie que dans... Putain, mais... Non, mais j'ai jamais autant perdu de vie, quoi, j'y crois pas. Allez, c'est bon. Voilà, vous arrivez pas à tirer, voilà, nickel. Non, parce que bon, tout à l'heure, ils ont réussi à me toucher, on se demande comment. Voilà, faites pas chier. Ça, c'est fait. Ok, donc du coup, maintenant, on va aller, hop, récupérer le spinel. On regarde derrière nous s'il y a pas quelqu'un. Ok, personne. Bon, il va arriver, mais bon, bah attends. Vas-y, viens. Non, y'a personne. Je parie qu'il va être là au moment où là quoi. Non mais c'est toujours comme ça de toute façon. Mais oui putain. Oh là 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 là. Et voilà. Bien sûr monsieur est là au moment où il faut pas. Vas-y saoule-moi pas, tu m'as saoulé. Casse-toi. Voilà, t'es content. Allez. Voilà, va je sais pas où, voilà, casse-toi. Pas prendre de risque. Ok, on va récupérer quand même les balles de pistolet, ça va nous servir. On va pas cracher sur 10 balles de pistolet quand même.
plutôt Quoi, il y a même pas de balles de pistolet? Ah mais oui, mais c'était là. Ouais, ouais, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. J'ai rien fait, ok, alors lâche-moi. Est-ce que je les ai récupérés au moins? Ouais, ok. On sait jamais, des fois, hein, peut-être que... Ça se trouve, je les ai pas récupérés. Allez, vas-y, viens. Je t'attends. Allez, casse-toi, sous-moi pas. Mais, putain, je suis devant toi, pourquoi tu les lances? Je suis devant toi. Enfin, il y a un moment, faut arrêter d'être con. Hein? Enfin, il y a... Oh, c'est hallucinant. Allez, voilà, casse-toi. Est-ce que t'as de l'argent? T'as même pas d'argent, quoi, s'il te plaît. Bon, du coup, on va récupérer... on va récupérer le masque. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, ça nous fera un peu plus d'argent, déjà. On va récupérer comme ce qu'il y a là. Voilà. Ok, là on va récupérer tous les poissons. Au moins ça va nous faire quand même pas mal de vie. Hein, voilà. Y a juste le gros poisson qu'on va vendre. Puis le reste, on l'utilisera en tant que vie. Donc du coup, là on va faire attention quand même. Ok, donc déjà là je pense qu'il y aura plus moyen d'utiliser juste le pistolet. Enfin juste le couteau. Mais bon, le problème c'est que là on va arriver au village. Et il va y avoir pas mal de monde. Allez, casse-toi. Allez, on balance la grenade. Pff, comme ça, moi, il mourira en même temps. Allez, c'est parti. Ah, ça, c'est fait. Voilà, nickel. Hop, oui, on récupère les munitions, on récupère ça. On récupère ça, on récupère ça, on récupère ça, on récupère ça. Et on récupère ça qu'on va pouvoir placer bien comme il faut. Alors, hop, toi, tu viens là. Merci. Lui, il prend que deux places, mais c'est nickel. Quel chrome, ok. Hop, on prend ça. Voilà, donc du coup, ça fait pas mal de vie. Attends, on va faire comme ça. Ça fait pas mal de vie, et donc du coup, c'est génial. Ok, allez, c'est parti. On va récupérer quand même la grenade aveuglante, voilà. On grimpe. Et du coup, on va aller au village. Le problème, c'est qu'au village, bon bah, je vais skipper, hein, parce que bah, ça sert à rien, quoi. Ouais, non, franchement, ça va me faire utiliser trop de munitions après. Et on va pas pouvoir utiliser que le couteau. Alors du coup, quoique ça va peut-être sauvegarder avant. Mais au final, je pourrais peut-être pas y aller. Ce que je vais faire, je vais tout simplement tuer lui et faire ça. Voilà, nickel. Du coup, on récupère ça. Enfin, on récupère ça. Ouais, si, on récupère ça. Ok, donc. Hop, voilà. Du coup, là, je crois qu'il y a une plante, là. Et non, pas du tout. Peut-être là, alors, dans ce cas... Ah ouais, non, c'est peut-être... Ouais, non. Pas du tout, pas du tout. Bon, alors. Ouais, je peux pas passer par là. Bah, de toute façon, je suis obligé. Ouais. La flemme de mettre un coup de couteau. Voilà. Donc, du coup, maintenant... normalement, il y a quelque chose à droite. Non, pas du tout. Bon, dommage. Et donc là, normalement, hop, en deux fois, on l'ouvre. Voilà, donc celui-là... Voilà, et celui-là. Ok, donc ça c'est fait. Bon souvenir, attends, bon souvenir. Je m'en rappelle bien, c'est vrai, attends. Je connais à peu près toutes les combines, tranquille. Ok, alors juste, on pense quand même bien à la clé, sinon on est obligé de tout refaire le tour, donc ça ferait chier. Oui, non, ça je m'en fous, hein, voilà. Ok, alors du coup, toi, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, pas grand-chose. Ok, donc là, normalement, c'est la fin du chapitre. Ouais, c'est la fin. Bon, on ira dans le village la prochaine fois. La prochaine fois, on va attaquer un mec à la tronçonneuse. Ouais, ça va être plutôt chaud, quoi. On va attaquer un mec à la tronçonneuse. Bon, bon, bon. Au pistolet, bien entendu. Bah, attends, on va pas utiliser le fusil à pompe pour un mec à la tronçonneuse. Hein. Bah, bah, attends, attends. Tu m'as pris pour qui, là? Oh. Ok, donc on sauvegarde. Bon, on sauvegarde là. Ok, donc... écraser les données, nanana. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a 20 chapitres quand même. Il y a 20 chapitres parce que j'ai sauvegardé 20 fois. Et j'ai sauvegardé que à des chapitres à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il y a 20 chapitres en tout. Ouais, vas-y. Ouais, donc écraser les données. Ouais. Voilà, donc normalement il n'y a pas de soucis. Donc du 1-2, fin de chapitre. Voilà, en professionnel. Voilà, voilà. Donc la prochaine fois on fera du 1-3. Hein, voilà.
Oui, donc toi, je m'en fous. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Normalement, ça devrait aller, je pense. Et puis voilà. Donc du coup, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis voilà. Putain, dit. Resident Evil 4, dis donc qu'il est buggé. Hein. Putain, mais c'est limite sur GameCube, il est moins buggé, le machin. Non, mais bon. Il y a un moment... Faut rater les conneries, hein. Parce que sur GameCube, j'étais meilleur que ça, hein. Ça c'est clair. Hein. Mais je sais pas pourquoi. Soit j'ai perdu l'habitude, soit c'est qu'il est encore plus bugué, le jeu, c'est un truc de ouf. Voilà, donc du coup, des fois, je me tape des actions. Ça fait chier, hein. Ça fait chier, c'est clair. Voilà, donc du coup, bah moi, je vous dis une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao.